السلام عليكم. اليوم السبت 20 ماي 2023، الحلقة 268، التنظيم الجديد للمخابرات المغربية. Aujourd'hui, samedi 20 mai 2023, épisode 268, la réorganisation des services spéciaux marocains, la suite numéro 8. العالم ديال الرياضة البارح في الليل كانت لعبات لا فينال في الجزائر العاصمة ديال لا كومبيتيسيون افريكان دي فوتبول افريكان اونتر l'équipe du Maroc et l'équipe du Sénégal dans les U17. Le Maroc menait toute la partie 1-0 depuis la 14e minute. Mais à la fin de la partie, il y a eu un pénalty qui a permis au Sénégal d'égaliser et 3 minutes après, le Maroc a encaissé un deuxième but sur corner. Cette équipe marocaine des U17 est passée tout près d'un exploit de grande classe. Mais ils sont quand même qualifiés pour le mondial, des U17. L'équipe égyptienne, El Ahli, a battu au match retour au Caire l'équipe tunisienne est Tarji, score final 1-0. Au retour 3-0 à l'aller à Tunis. La finale se jouera avec
Eli, et peut-être Louis Z. Louis Z qui joue son match de demi-finale cet après-midi à 14h en Afrique du Sud. L'année dernière, la saison 2021-2022, il y a eu une finale El Ahli Wydad de Casablanca. Et c'est terminé par la victoire logique du Wydad de Casablanca, qui est toujours champion d'Afrique en titre. Dans les derniers épisodes sur la réorganisation générale des services spéciaux marocains, j'ai parlé longuement des problèmes de la corruption qui était généralisée dans toutes les administrations publiques en général et dans toutes les administrations policières et militaires en particulier. Dans le dernier épisode, j'ai évoqué à la fin le grave problème des forces armées royales qui étaient composées en majorité entre 70 et 80% de soldats et d'officiers Wenakh. Ce problème des Wenakh est très grave car tôt ou tard, on doit lui trouver une solution. Une solution logique. Il faut mettre un terme à cette méthode raciste de recrutement. Les forces armées royales sont composées de militaires campagnards dont l'immense majorité proviennent des régions montagneuses et
de la campagne. La majorité des officiers proviennent des montagnes et de la campagne. L'immense majorité des élèves sous-officiers proviennent également des montagnes et des campagnes. La presque totalité des soldats, des milliers de soldats, sont originaires des montagnes et des campagnes. Les forces Royal Air sont également composées en grande majorité des montagnards et des compagnons. Ce problème avait fait son apparition dès les premières années de l'indépendance du Maroc. Car dès le départ, on avait commencé à constater que les forces armées royales étaient composées de campagnards et de montagnards. Au courant des dizaines d'années, le chef d'État, le roi Hassan II, et les officiers supérieurs de son entourage n'avaient rien fait pour lutter efficacement contre ce problème des Wilnach qui ont envahi toutes les forces armées royales, y compris les forces Royal Air. De mon côté, j'attire l'attention des responsables sur ce grave problème qui peut apparaître prochainement. Je l'avais déjà signalé dans les années 80, 90
notre patron, à l'époque, le chef du département de la contre-subversion, l'avait également signalé à l'époque dans des rapports de synthèse destinés au roi du Maroc. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Dans les forces armées royales, il y a une politique de Bagsahbi qui est pratiquée partout. Qui est pratiqué dans tous les bureaux chargés du recrutement. La politique de Bagsahbi est pratiquée avait toujours été pratiquée dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. C'est ce qui a permis aux forces armées royales d'être composé de soldats Winner, de sous-officiers Winner et d'officiers Winner, avec un pourcentage estimé entre 70 et 80% dans toutes les forces royales, dans toutes les forces dont est estimé entre 70 et 80% dans toutes dans les forces armées royales. Le chef de l'État, le roi Mohamed VI, doit donner des instructions à ses proches collaborateurs militaires pour réfléchir à cette question, car dans très peu de temps, de très graves problèmes risque de se poser au sein des services de cette armée royale marocaine.
dans les services du deuxième bureau militaire qui sont commandés par le colonel Hassan Liouci. Entre 1956 et 1980, il y avait partout, dans chaque bureau du deuxième bureau, militaire, sept à huit militaires sur un effectif de 10 militaires, c'est-à-dire 70 à 80% de l'effectif qui était des Winnach. Dans les bureaux de l'état-major général des forces armées royales, il y avait également 7 à 8 militaires sur 10 qui étaient des Winnach. Dans les casernes militaires et dans les commandements militaires de chaque région militaire, il y avait également dans chaque service entre 7 et 8 militaires Winnach sur un total de 10 militaires. Dans les postes frontières qui existent dans la frontière qui existe tout au long de la frontière de la mer Méditerranée jusqu'au Sahara. Cette très longue frontière existant entre le Maroc et l'Algérie. Il y avait également une grande majorité de militaires Winnach. Ce problème existe également au sein des forces auxiliaires du ministère de l'Intérieur. Soixante-dix à quatre-vingts pour cent des forces auxiliaires sont originaires des montagnes et des campagnes.
Les forces auxiliaires doivent combattre ce problème. Ce problème qui risque un jour ou l'autre de paralyser complètement les forces de l'ordre dans notre pays. Le général Oufkir avait liquidé une dizaine d'officiers supérieurs dont quatre généraux, cinq colonels et un commandant. Cette exécution avait eu lieu le 13 juillet 1971, c'est-à-dire 3 jours après le coup de Skhirat qui avait eu lieu le 10 juillet 1971. Oufkir avait exécuté tous ses officiers supérieurs militaires sans jugement, sans procès, sans tribunal, sans avocat. Oufkir était le seul qui faisait tout. Il avait été nommé par le roi Hassan II en tant que ministre de la guerre et chef des forces armées royales, avec carte blanche pour remettre de l'ordre dans le pays le plus vite possible. Oufkir en avait profité pour régler ses comptes avec tous ses officiers supérieurs militaires qui étaient en réalité tous ses complices dans ce même coup de Skhirat. Je dois m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Inshallah.